Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se trouve pour la troisième fois sur Yandere Simulator. Il y a une mise à jour avec des trucs très très cool qu'on va pouvoir faire. C'est parti, direction l'école. Souvenez-vous, la dernière fois on avait kidnappé une fille et là on va faire bien pire. La première nouveauté, non, on peut noyer quelqu'un, putain de bordel. Exactement comme ça, devant tout le monde. Bonjour, non mais vas-y, mais c'est pas ce que vous croyez hein les gars. Bonjour, on se chamaille. Oh, vous avez emballé dans le cul, vous, c'est ça? Faut que j'apprenne, que j'aille la cacher. Comme ça, il y aura plus de preuves, plus d'évidence contre moi. Vite, il faut que j'incinère avant que la prof arrive. Elle arrive, vite. Y'a rien, madame. Je vais me cacher derrière cet arbre dans le doute. Mais c'est pas moi. Bah, vous voyez bien qu'il y a rien. Vous allez pas m'accuser quand même, y'a rien du tout. Alors, c'était juste une blague? Je pense pas que c'est très drôle. Ne me fais plus jamais perdre mon temps comme ça. Oh, bah alors, t'es deg, mon gars. T'es deg, mon petit con. Hein, t'es dégoûté. Brah! T'es dégoûté. Ah, ça commence super bien. Bon, voilà, vous l'aurez compris, on peut maintenant noyer des gens dans la fontaine, ce qui est formidable, hein. J'ai redémarré le jour parce que j'avais vraiment la flemme de nettoyer tout ce sang. Aujourd'hui, j'avais pas envie de faire le ménage. Ah, il nous faut la réputation, putain. Bonjour. Non, pas, mais pas par toi, je m'en fous de toi, mon gars. Oh là là, tu es très belle. En plus, je dis qu'à toi, je dis à personne d'autre. Donc là, c'est la pause déjeuner, tout le monde va aller sur le toit. Et non, oh merde, putain, faut pas trop m'approcher de Senpai. Logiquement, il y a deux filles qui vont aller parler un petit peu en tête à tête vers là-bas, il me semble. J'espère ne pas me foirer. Vu que tout ce que je fais foire généralement dans les derniers simulateurs, on va voir. Allez, dis-moi qu'il y a deux filles qui viennent parler. Oui, je dis oui. On va s'accroupir comme ça. Et là, elles vont parler entre elles, voilà, de choses un petit peu entre meilleures amies. Il y en a une qui lui dit, oh, il y a quelque chose qui va pas chez toi en ce moment, je trouve. Et là, elle vient de répondre, non, rien. Tu veux pas en parler, y a pas de souci. Mais souviens-toi, je suis ton ami et je ne te jugerai jamais pour quoi que ce soit. Ok, j'avoue, il y a un truc dont j'aimerais parler. Depuis que ma mère est morte, mon père boit beaucoup. Des fois, quand il a bu, il vient dans ma chambre et... Oh non! Oh, oublie ce que je viens de dire. Je veux vraiment pas en parler. Quoi? Mais ça a l'air vraiment sérieux. Écoute, j'ai dit que je voulais plus en parler. Laisse-moi tranquille, ok? Oh putain, elle est carrément lunatique, quoi. Oh là là, rien, je leur fais le coup. Vous savez, le. Hop, là, elle tombe, non? Alors là, ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai trouvé le point faible de la fille. Alors malheureusement, c'est le truc le plus glauque du monde. Mais du coup, maintenant, je peux aller à son casier. Et ouais. Et vu que j'ai mis des points dans la capacité de langage, et ben, je vais pouvoir laisser une petite note sur son casier. Voilà, regardez. Leave note. Là, je laisse une lettre disant, je veux te parler à propos. Bah domestique abuse du coup. S'il te plaît, viens me voir. Bah sur le toit à 4h. Oh là là, c'est tellement fort mon gars. On retourne en cours. Putain, c'est tellement stylé de les buter comme ça de manière différente. C'est mon senpai. Voilà, c'est la fin des cours. Tout le monde va se donner rendez-vous au casier pour récupérer ses petites affaires. Oh mon dieu, elle le voit. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que je devrais le rencontrer. Allez, viens sur le toit. Tu sais pas ce qui t'attend. Le suspense est terrible. Notre cœur bat à fond. Oh oui, elle a un peu de retard, putain, 6 minutes, j'y croyais plus. On te suit, attention. Et là, on arrive par derrière, et on lui fait, je m'en bats les steaks. Bouh. Yeah. Ah voilà, et là, j'ai mis une lettre de suicide sur ses chaussures. Je vais vite me barrer avant que quelqu'un me prenne sur le toit avec les mains qui sentent les pieds, tu sais comment être bien grillé. Non, j'ai pas touché ses chaussures. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. J'aime pas et tu m'épouseras un jour. Le jour d'école s'est terminé. Les profs doivent faire le tour de l'école pour dire à tout élève y étant encore de rentrer chez lui. Pendant qu'il inspectait, un prof a découvert un corps. C'est pas nous. Ça semble être un étudiant qui s'est suicidé. Les membres de l'école se sont mis d'accord pour appeler la police et les mettre au courant de la mort de l'étudiant. Oh non, pourquoi la police se ramène dans cette histoire, putain? La police a été incapable de découvrir des preuves qui auraient montré que la mort de l'étudiant était en fait un meurtre. La police en a conclu que l'étudiant a mis fin à ses jours lui-même. S'aime pas tuer bientôt à nous. Nous sommes maintenant le Tuesday 5 April 2016. Comme quand notre prof nous demandait de marquer la date au tableau, encore vous vous souvenez. Alors est-ce qu'il y en a une qui va aller aux toilettes cette fois? Parce que normalement, on peut faire un truc cool. Pourquoi personne ne va aux toilettes? Allez, il y a bien l'une d'entre vous qui a la vessie pleine là, sans déconner. Toi, tu vas me suivre. Je vais te vider la vessie moi-même, putain. Vous voulez pas aller aux toilettes? C'est moi qui vais vous y emmener. Allez, viens là. Attends, non, on va aller dans celle des hommes. Viens. J'espère que Senpai est pas là, putain, ce serait con de le voir en urinoir. On va essayer de fermer la porte derrière elle. Ah mais non. Attends-moi là. Attends, oh putain, elle devient folle. Attends, voilà, deviens folle avec la porte fermée, s'il te plaît. Est-ce que t'as pas envie de pisser? Pisse, bordel. Mais elle veut pas uriner, mais c'est pas possible, ça. Vas-y, elle me saoule. Elle me... Putain, j'ai pas pris de couteau, j'aurais planté. Là, c'est la pause du midi, j'ai mis des points dans la bille, dans la... Dans la chimie, je crois. Et en fait, normalement, ça va me permettre, voilà, d'aller dans cette pièce et de trouver du putain de poison. Hop, on le prend. On se met là comme ça. De manière très discrète, normalement quelqu'un va venir parler à Senpai. On dirait The Grudge quoi. Pourquoi personne ne vient parler à Senpai? Non, c'est une blague. Mais non, et du coup, vu que le temps était en accéléré, ça m'a fait arriver en retard en cours. Non, me punissez pas. Tu n'es pas l'un de mes élèves. Ah bon? Ah merde! Je me suis trompé de classe, excusez-moi, moment gênant, bonjour, au revoir. Voilà. Please try to make it to class on time. S'il te plaît, essaye d'arriver en cours à l'heure. Attends, mais toi tu vas mieux me parler hein. Attends, tu sais pas qui on est hein. Je me mets de la physical education et je te défonce avec mes gros biceps. Je me balade avec le couteau à la main, je m'en bats les steaks moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, pardon, non, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire?
Ah non, Senpai, mais qu'est-ce que tu faisais là? Non. Attends, mais attends, en fait les gens arrivent à 7h à l'école, mais les cours commencent à 8h. Ça s'appelle une heure de colle. En fait ils sont tous collés. Alors on va retourner prendre dans le petit laboratoire le petit poison et on va tenter de l'empoisonner. Mais pourquoi? Normalement il y a une fille qui doit venir et qui doit poser un plateau avec de la bouffe quelque part. Peut-être que j'ai pas vu, mais Senpai est en position et normalement On est d'accord, personne n'a posé sa bouffe quelque part là, hein. En même temps, je serais pas une psychopathe comme ça si Senpai était un peu gentil avec moi là, hein. Là, il m'ignore et il s'en fout de moi. Ok, j'ai le poison. Il manque plus que la bouffe dans lequel le mettre. Je ouvre toutes les portes pour que vraiment elle ait grandement envie de venir. Oui! 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 Va par là, Senpai, c'est ça, tu n'auras jamais, t'es qu'une... Je lui dirai comment je me... Oh la biatch! Elle a prévu de lui dire ce qu'elle ressent pour lui vendredi. Ah mais en fait elle est même pas allée lui parler, elle l'observait quoi. Vas-y bouffe, bouffe, mange, vas-y je t'en prie. Oh bah je crois que tu vas pas lui dire grand chose vendredi, dis donc. Bon. Bah qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de gigoter par terre. Gigoter, j'ai pas dit ça depuis si longtemps. Bah alors on est deg, hein? Hop là, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ils sont allés chercher un prof, attends je vais me casser. Mort, amène-moi jusqu'à lui. Ok, donc ils lui ont dit qu'ils avaient vu quelqu'un qui était décédé. Moi j'ai rien fait, hein. Moi j'étais sous ce banc comme ça, pour pas que les autres me frappent, parce que tous les jours les gens ils me frappent. Attends mon gars, le prof n'est jamais venu. Et en plus je suis en retard en cours. Mais c'est quoi ce délire? Je suis en retard, oui je peux pas aller en cours parce que le corps est visible. Oui, mais en attendant, embuscade. Oh non, mais en plus j'ai mis des points dans l'éducation physique, je dois avoir des gros bras. Alors il y a aussi un nouveau truc, c'est les easter eggs là, vous savez, il y a le mode l'attaque des titans qu'on peut activer. Et apparemment il y a aussi d'autres modes, il faut trouver la touche. Ah c'est bon, j'ai trouvé, c'est l'Ender mode. Oh, elle est terrifiante mon gars. Oh putain, elle est horrible. Qu'est-ce qu'il y a pas avec toi? Pourquoi t'es si bizarre? Eh vas-y, c'est deux avec un katana. Oh elle est terrifiante mon gars, c'est chaud. Oh putain, j'ai tellement pas envie de voir ça chez moi un jour. Senpai, je m'en bats les steaks de toi. Bra. Oh j'ai tué Senpai. J'ai tué Senpai mon gars. Attends, est-ce que je peux buter la prof? Et la vengeance d'une vie. Bra. Just what do you think? Non mais elle arrête Slender. Non mais à un moment. Bancho mode. Allez! Non mais là j'ai 1000 fois plus de charisme que toutes les autres filles réunies quoi. Senpai ne peut pas pécho quelqu'un d'autre. Gallo mode. Yeah, Gallo Sengen. What? Bonjour Senpai! Comment ça va? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Mais vas-y, mais je te baise. Deka mode, c'est quoi ça? C'est des si gros bras. Squeezie rêve d'avoir les mêmes. La fille timide avec des bras comme ça, ça passe pas du tout quoi. On dirait plutôt qu'elle fait Gangnam Style, mais bon. Oula, j'ai ressorti un nom de buzz qui date de 2002 là. Il nous reste enfin le 47 mode. Agent 47. Bonjour, comment ça va? Moi ça va. Je tue des gens, ça se voit pas? Et le meilleur pour la fin. Je m'en lasserai jamais. Alors là, ce que j'ai dans la main, c'est pas un katana, c'est un coupon pour titan. Et je suis très peu fier de cette vanne. Bon et bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette troisième vidéo sur Yandere Simulator. On a pu faire pas mal de trucs là, noyer quelqu'un, empoisonner quelqu'un et faire un faux suicide, c'est quand même beau. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fera plaisir à votre senpai qui se touche les tétons. J'en profite aussi pour vous remercier parce que vous avez été super gentils en voyant le site sortir. Vous avez tous l'air d'apprécier le site et vous me l'avez tous dit et ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, merci beaucoup, c'est super cool. School, voilà on reste dans l'école hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.